La Hongrie demande la suspension du premier vice-président de la Commission européenne le temps de la campagne électorale. Franz Timmermans mène la liste des sociaux-démocrates pour le scrutin européen de mai. Pour Budapest, cette double casquette crée un conflit d'intérêts et les autorités l'accusent de soutenir le milliardaire George Soros. Il est évident que M. Timmermans est un proche de Soros. Nous le voyons dans ses meetings, il y a des points communs dans le raisonnement et dans l'agenda politique qui sont proches. Tout cela vient de M. Soros et Franz Timmermans annonce et transmet ses messages tout le temps. Au sein de la Commission, Franz Timmermans est en charge de l'état de droit. Or, ce dossier provoque de fortes tensions entre le Premier ministre hongrois et l'institution européenne. Le vice-président Franz Timmermans est en charge de l'état de droit et il a réalisé un travail formidable. Et lui, ainsi que la Commission, nous sommes sans étiquette lorsqu'il s'agit de notre travail. C'est sous la houlette du Néerlandais que la Commission a lancé différentes procédures d'infraction contre la Hongrie pour violation du droit de l'Union.